suis Mao Tayek, je suis ivoiro-malien, argentin-libanais, français. Donc, je suis né en Côte d'Ivoire, à Korogo. Moi, la musique, c'était une passion. Je prenais ma guitare, je passais mon temps avec. Pendant les vacances, c'est ce qu'on faisait. On n'avait pas de cinéma, il n'y avait rien. Donc, c'était surtout ma guitare, ma musique. Et je travaillais. C'est comme ça que j'ai appris sur le tard. Je suis allé par la suite en France où on a eu une signature d'album. Et c'est comme ça que j'ai atterri à Paris. Et puis donc j'ai accompagné beaucoup d'artistes, des musiciens, j'ai composé, j'ai arrangé pour de nombreux artistes antillais et africains aussi. Et puis moi-même j'ai été chef d'orchestre d'Alpha Blondy pendant une douzaine, 13-14 ans. Voilà. Chef d'orchestre du Solar System d'Alpha Blondy. Et puis j'ai fait écouter une de mes chansons à un ami qui connaissait Stevie Wonder à Los Angeles, et puis il m'a fait venir, et puis j'ai fait un album avec lui à Los Angeles, qu'il a coproduit, il a même écrit une chanson, et puis tous ces musiciens ont participé à l'album. Voilà, donc j'ai été, comme j'ai dit tout à l'heure, arrangeur, j'ai participé au dernier album de Salif Keita, j'étais avec aussi, j'ai travaillé avec Cheikh Tidiane Seck pendant de nombreuses années et Tony Allen, le batteur de Fela. Voilà un peu ce que j'ai fait. Donc là, je suis après 24 ans en France et 6 ans en Amérique, à Los Angeles, 6 ans, je suis entré au Sénégal, mon pays d'adoption. Et puis voilà, ici, j'ai recommencé mes activités. Je suis en train de faire la promotion de mon album Yeredon. Yeredon qui veut dire dignité en Bambara. Voilà. J'ai monté une société, enfin une boîte, pour pouvoir produire des jeunes talents. Et dans ces talents, j'ai trouvé une chanteuse extraordinaire qui est Marima. Et je me suis dit, donc, elle n'a rien à faire derrière. C'est elle qui doit être devant. Quoi. Donc, je me suis dit, bon, j'ai du matériel, j'ai ce qu'il faut pour produire, enfin pour travailler. Donc je lui ai demandé si elle voulait faire un album, si elle était prête. Et puis voilà, on est parti comme ça, on a fait cet album. On a sorti Femme d'affaires qui commence à faire du bruit. On est arrivé à Saint-Louis, on est venu parce que pour le festival du jazz, les offres du festival, il y a Marima qui s'est produit, qui a été programmée. Et moi, je suis là, je la soutiens en tant que. Je joue les guitares avec elle. Je la soutiens à la guitare. C'est mon artiste, c'est vraiment. Je suis là pour elle. Quoi, voilà. Et bon, il y a de belles scènes, il y a beaucoup de choses à faire à Saint-Louis. Puis, c'est vivant, quoi. C'est vraiment une ville de culture, Saint-Louis. Merci à tous ceux qui soutiennent la musique et puis la presse et tout ça. Et puis, musique in Africa. Merci beaucoup.